la CNSS réalise sa première implantation de pacemaker. Grâce à cette innovation, la Caisse nationale de la sécurité sociale permettra aux patients d'éviter des évacuations sanitaires. La CNSS, en étroite collaboration avec l'hôpital militaire et la police nationale, a procédé vendredi à la toute première opération de pose d'un pacemaker sur 3 patients djiboutiens. L'opération chirurgicale a été réalisée par des médecins djiboutiens, à savoir Dr Omar Farah, Dr Liban Ibrahim et Dr Fadoun Hassan, avec le concours des médecins marocains. Une première à Djibouti, la CNSS permet la réalisation de ces implantations et c'est une fois de plus une prouesse dans la qualité des services au profit des populations. Grâce à cette innovation, la CNSS permettra aux patients d'éviter des évacuations sanitaires à des coûts faramineux pour un rendement tout aussi efficace. Pour mémoire, un pacemaker est composé d'un stimulateur cardiaque et d'une ou plusieurs sondes de stimulation qui permettent de relier le boîtier au cœur. Un pacemaker est un petit dispositif cardiaque implanté sous la peau, généralement situé juste sous la clavicule. Les patients pourront retrouver ce traitement désormais dans la République de Djibouti.